Alléluia. Amen. Eh bien, notre heure vient encore de sonner. C'est un plaisir de nous revoir encore autour de la table du Seigneur pour manger les mets du ciel, surtout en ce jour particulier que les Blancs ont crié. Je voudrais parler de la Saint-Valentin qui coïncide aussi avec le volet de l'enseignement que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors, avant toute chose, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons d'abord élever nos voix en signe de reconnaissance à Dieu, en signe d'allégeance, pour lui dire que nous reconnaissons sa royauté, sa majesté, que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous a fait et qu'il nous fait. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand nous considérons tout ce que tu as fait par tes mains, oui, tes œuvres témoignent de ta grandeur. Tes œuvres témoignent qu'il n'y a point de Dieu autre que toi. Tes œuvres témoignent que quand on parle d'amour, ce n'est que chez toi qu'on en trouve le vrai, l'amour sans condition. Parce que lorsque nous étions encore ennemis, lorsque nous étions encore étrangers à toi, lorsque par nos vies, nous n'avions aucun souci pour toi, te piétinant chaque jour, te méprisant chaque jour, et pourtant, ton amour est demeuré égal. Tu nous as aimés et tu nous aimes. Et c'est par cet amour que nous avons été repêchés. Tu nous as repêchés de la boue. Tu nous as repêchés sur la route de la perdition. Tu nous as lavés. Tu nous as restaurés et tu nous as donné un nom. Jésus, merci pour tes soins au quotidien. Si nombreux que nous sommes, tu as de l'égard pour nous. Si nombreux que nous sommes, tu nous accordes à chacun un soin particulier et dans les détails. 24 heures sur 24 heures,
Partout, ton amour nous accompagne comme notre ombre. Merci Jésus pour ta délivrance. Merci Jésus parce que c'est à cause de toi que le diable nous respecte. C'est à cause de toi qu'il n'ose pas nous toucher. Et même dans nos faiblesses, et même dans nos rébellions, le châtiment que nous méritons, ce n'est pas ce que nous recevons. Tes bontés, ô Dieu, qui peut en parler? Seigneur, ce jour donc, nous voudrons te dire merci. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour les maladies que tu enlèves encore de nos esprits, que tu enlèves de nos corps. Merci. Jésus, merci de ce que tu nous touches encore. Dans nos souffrances, tu nous touches, tu nous soulages. Jésus, merci. Là où les hommes ne nous apprécient pas, tu nous apprécies. Jésus, merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Manifeste encore puissamment ta présence au milieu de nous. Seigneur, parce que là où tu vis, là où tu résides, la vie s'y manifeste. La vie s'y manifeste. Ô Seigneur, auteur de la vie, toi qui nous donnes de la substance, que ta vie coule abondamment, que ta vie prenne droit sur la mort, que ta vie prenne droit sur ce qui se dégrade et remets sur les pieds, remets-nous à flot, Seigneur Jésus, remets-nous à flot, Seigneur, remets-nous à flot, remets-nous à flot, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Que ce rassemblement soit plongé dans le sang de l'agneau, que ce rassemblement soit baigné dans les flots du Saint-Esprit. Jésus, c'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Eh bien, mon interprète du jour est là. Concile n'est pas disponible comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous allons continuer jusqu'à ce qu'il se manifeste ou bien elle se manifeste. Et nous n'allons pas commencer aujourd'hui sans que je ne profite de cette unique occasion annuelle pour présenter à tous, pour dire à tous et à toutes, Happy Valentine's Day. Pour dire à nos femmes, nous vous aimons. Nous vous aimons jusqu'à... On ne peut pas. Que ce n'est pas... Dieu n'a pas fait d'erreur en vous plaçant dans nos vies. Chaque jour qui passe, chaque jour que Dieu crée, nous découvrons jusqu'à quel point vous êtes précieuse à nos côtés. Nous disons que nous sommes les hommes, mais nos foyers, c'est vous qui les tenez. Grâce à vous, nous sommes considérés. Grâce à vous, on nous respecte. Grâce à vous, nous sommes à l'aise parmi nos semblables. Vous tenez bien nos enfants, vous les éduquez dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas assez de mots ici pour dire combien de fois vous comptez pour nous. Même si nous ne vous disons pas chaque jour, soyez persuadés que nous vous aimons. Il n'y a pas à mentir, c'est vrai. Nous vous aimons, madame. Eh bien, nous allons continuer notre étude de l'autre fois. Vous vous rappelez que
Nous sommes rentrés dans le volet où nous nous sommes attelés à parler des voies et moyens par lesquels nous pouvons honorer Dieu. Et nous sommes maintenant en train de parler de comment nous allons le faire dans nos foyers et avec ce que nous allons faire dans notre vie conjugale en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Si elle que mignonne, à son alon y sauva y a mi blin, au hobe, mia ponfou, alon mia son kudo, avec mia. Mia so asi hoho alo bobo sona mia sron e so te ya mea e betabe mau e mi le toro ti wa ma we mi le so bobo na e ya anti mi le japon pour le son. Et nous avons posé la question pour rentrer dans ce volet de l'enseignement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Dieu se sente honoré dans nos vies conjugales. Aye, so ye di ami biosebe, nous ka e mia wo. Le mia sron de po, alo le mia sron de debak gome e, ma wola kwe do jesibe, mi so bobo so na ema. Voilà. Et donc, à cette question, nous sommes dit que lorsque Madame se sent appréciée, cela contribue à la joie dans le foyer, même si elle reste à la maison pour s'occuper des tâches ménagères des enfants et que c'est monsieur qui sort pour revenir avec de l'argent. Et néanmoins, ce que Madame fait est déjà très important pour que elle soit appréciée. Aye, mi donye de ke ben yanti blanve. De si ale ke mi atin wo. Ye mi asron. E mi asron nyonwa. Ye di la jwa. E be la kpove ba de jesibe. E sron so bubure na yalo. E so kafuge. E so koi. So kpoi. Do bubu yinti. Alo. Et do asi hoho yentia no tingbe we no meeting we ne to gobene nyonwa a home be no na kpona de viewji on a home be to e be to be nsua e sro nsua ya ye na dome he na gabona bacha this year de ke mi tingbe wo ko nyonwa la ko do jesibe e sro so asi hoho na ya ya la ima la de ma u chan po na na ima u la po ve mi so de ke bu bu so le na ima u. Nous nous sommes aussi dit que il appartient à l'homme et à la femme qui vivent ensemble de s'étudier et de découvrir ce que l'un ou l'autre aime, ses préférences. Et mi blon chan be elle veut vere ne nsu ku nyon nou be comme faire de vetabo le ou le toi wa disi wa nono wa dawa nono po apo be nuke jona jine nsoma nuke jona jine enyonwa chama. Et certains aiment manger froid, d'autres aiment manger chaud. Il appartient à chacun à chacune de savoir quelle est la formule qui marche dans son foyer. Nsua lo nyondo odina be ne ndudua lesosua ye yoladu alo amedo odina be ne ndudua favo akingbo yoladu kebele de ka le fevere be amesia melanya enuke latin ajrando lebe son de pea e ba wodoji ne son de pea ba ten yinyere. Nous nous sommes aussi dit que il est important que l'un et l'autre mène une vie de transparence et que on ne doit pas faire des choses
en vase clos et sans en informer celui avec ou bien celle avec qui nous vivons. Et aussi, si mes souvenirs sont bons, nous sommes aussi dit que il y a un point clé sur lequel personne ne peut, devant lequel personne ne peut se dérober, c'est la nécessité de mener une vie de fidélité l'un envers l'autre. Et c'est en parlant de cela que nous avons lu Hébreux chapitre 13, verset 4. Et si on peut encore nous réafficher le verset, ce serait intéressant. Donc, sur ce verset, certains ont compris que Dieu veut nous dire à travers ce passage que nous devons nous respecter l'un et l'autre dans le foyer en nous gardant jalousement l'un pour l'autre. Il n'y a pas d'espace pour une autre personne autre que notre conjoint ou bien notre conjointe. Bon, encore une fois, nous allons demander aux techniciens de nous poster le verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 4, chapitre 13, verset 4. Le Kokoyame. Kokoyame. Et mieux de gomme glombe. Et frontoa, odola dobu, anonanti. Et ministre frontoa, au matin, wa tous ronti, ave wo. Et le pasteur nous a attiré notre attention sur le mot honoré dans ce verset. Qu'est-ce que cela signifie et que le mariage soit honoré de tous? Et pasteur va y dire de nous mes amis so nous kenyi boudo amenti le oréa nous kenyi boudo amenti alors si deux boudo amenti a au grand mais et ben comme pasteur de et ben comme là si nous nous rappelons il nous a été dit que le mariage est une institution de Dieu. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu que c'est d'ailleurs au cours d'une cérémonie de mariage que Jésus a eu à faire son premier miracle. Le nombre de yamia mi pobe estrondepe betepe yesu waibe nukunu tutugmatoale. Nous connaissons bien Jésus. Si le mariage n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, si le mariage n'est pas une institution divine, certainement, Jésus ne répondrait pas favorablement
à l'invitation de s'y rendre. C'est le Kémia Katami Jesse et son nénère. Ne nous ne nous devenir et son dédé. Benyoni et ni nous croissons le ma ou ben kumoa. Et Yesu, non, oh, mais Yesu, ben, bah, va te point, n'y a pas de moule d'un lombé aïe. Le fait qu'il s'y est rendu montre que Jésus valorise énormément le mariage. Va que bétabé, Yesu, y sont des points, les sont des points, bété pia, et des fiambé, Yesu, et d'assi, et sont des bénions, nyanti. Et même, nous avons vu, comme je l'avais déjà dit, quand le vin a manqué, tellement Jésus donne de l'importance à cette institution qu'il est intervenu pour que la fête ne soit pas gâchée. C'est pour dire que Jésus, tel que nous le connaissons, c'est parce que le mariage a du prix à ses yeux qu'il est intervenu. Et c'est là que Mignon, le strand de Pont, la Camille, Wang, va, Foya, Fodoa, Yesu, va, et Bebacogna, Batro, Wang, Yé Bunamo, et Yopata, de Chiombe, strand de Benya, et do à Sihoho, le Maubo, do à Sihoho, Yesu, Yatae, Beo, de Kebenwon. Alors, si maintenant nous venons dans Hébreu, pour lire que le mariage soit honoré de tous, alors nous comprenons que ce que Dieu honore, ce ne seront pas les hommes de le piétiner. Que mi trova ibro et ibro be popo ya mea et olog blona mi be sono de pia ben sono de dia na ni nu no wadu bubu nti wadu asi hoko ne dia enu ke ma wu do bubu nke nti ma wu do bubu so asi hoko na mi amegbeto mi ma aso afo apo ne nebe nu dangbo. Voilà, donc ce qui a du prix, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, c'est cette chose-là qu'on entoure de tous les soins. Nde kenyi asi hokobenu nde ke do pinpinme gandeya nenebenua yayo lesona belele tokhe sonana. Donc nous les hommes de la chapelle internationale ou toutes les femmes de la chapelle internationale, tous ceux qui nous suivent dans cet enseignement, nous comprenons que en honorant le mariage, nous honorons donc celui qui a honoré cette institution. Et à ta mia chapelle internationale, mia chapelle internationale Benso, kudo nyonmo, kudo ameko keke nona kame, ona nous sonsonon yoku mia, mise gome, be sonon de dea, et nous veni choisi. Nya odo asi hoho ro nemi le wea de ke ahwa egon ebe mi so asi hoho so bubu so le na ameke do strong de bete pe ke nyi mawa il n'y a pas une seule chose à faire pour honorer le mariage, mais l'une des choses capitales que nous ne pouvons pas manquer. Cette chose-là, c'est de ça qu'il est question ici dans ce verset, c'est la fidélité conjugale. Et nous, le bang bang bang, niawo, la sorte de bobo, sono de denti. Wa, et nous de kade ale ke niakpata midola a woya ko godo godo ko ya ni veve to kota no pata yeni et nous te peu owo ne sono ku le nyonu ku nsume alo nyamunyara ke nsepa sekro nyonu ku nsudome en nyonu ku nsude awo atunyawo awo nutepe. Le pasteur a également parlé du sens du mot lit, le lit conjugal, ce que symbolise le lit, il nous l'avait dit aussi. Ami avec pasteur ni son abaya et de nous que ni seront bas qu'au courant les filles à nous que ni à gommer. Ok, avant que ce verset ne soit cité,
Je me rappelle que le frère Sénat aussi disait que il a son verset et je lui avais dit que de patienter, que nous allons d'abord épiloguer sur ce verset 4 et le 13 et après nous allons revenir sur son verset. Donc, on est Ibrobe, Ibrobe, Pokuya. Il faut Sénat, Grombe, et ça, il faut Pokuero, et Kudo, et Sron de Benyanti. Et nous fions l'abbé, et tu ne veux pas, bon, dire, ne mi wo, Ibro, toi, un petit devoir. Miavaï, Miane mon papa, Bella, Debe, Pokuo, Colessia, Bado, Dagadam. Donc, frère Sina, prépare-toi très bientôt. Je vais te donner la parole pour que tu partages avec nous le verset dans un instant. Ah, yatane, mien fofo sena no le kame, wan a oja jararo dare, ma di di mo wa sokbe a son nonne a ponpon. En concluant la séance, la dernière séance, je disais que si nous ratons notre vie conjugale, il nous serait très difficile d'aller au ciel. Akin bo mien so wu ni sobe, nous fions nous vaillir et il est tombé mais mimo mimo bien besoin de bignon pas benoît mimo noé numéro à et la scène on a mis ton ami attention il dit quoi. Je crois que chacun a pris la mesure de cette déclaration et veille. Je parle des mariés ici, veille régulièrement sur la manière dont il gère son foyer de manière que la porte du ciel ne lui soit pas fermée le jour où il ira rencontrer Dieu. Possible, miam siam, miso nyawan, mi se nyawan yiso. Yemi kpo nyawan be veveni, yemi le wodo senti, mi kpo gbobe, miabe sron de po, alo miabe sron de bag bewa, mi le we, si ale ke be jenene, ale be ne do gbo ak bea, ne po be hon troa bag boa, on batu de myo. Frères et sœurs, que pense, ton partenaire dans le mariage? Que pense-t-il de toi? Comment te voit-il? Nous avons vu Et toi-même, que penses-tu de ton mari? Que penses-tu de ta femme? Penses-tu en bien de lui ou bien en mal de lui ou bien et vice-versa? que et sous quel assio Alors, à quelle époque? le port est selon nous allons seront sous l'eau. Pourquoi je pose ces questions? Voyez-vous, dehors, nous pouvons avoir une certaine notoriété. Les gens peuvent nous donner, nous pouvons nous coller une certaine image. Les gens que nous côtoyons, ils peuvent avoir une idée sur ce qui nous sommes. Mais celui avec qui tu vis chaque jour, quel est le verdict que cette personne peut rendre sur ta personne? Nous cataille le bio de Kevignaro, le bio de Kevignan, nous quintier le bio sea, et le bandit, le gota, le nuda, Ameko, Midona Haku, alors Ameko, Dissimia, Odo Abitame Susso Somianti, O Dissimi, Be Miledeke, alors Miledeke, Vare, et Mia Stronke, mi la Homeku. Mi la home la home et y a kaya la ting blanc sous miantio et de ke a pomiro de ke be sous miantiro a me kankoume et mini et benyan et Oui. si
quand nous sommes adulés dehors, quand nous sommes tricotés par les gens du dehors, est-ce que nous recevons la même coûte de celui qui connaît notre nudité? Le chrétien, le bandit, à mon cafunami, à mon beau, bémion, quebe, au bas, menuel, tomini, minyam, mi, ou le que mon cafunami, le bandit, allez, le à home, à me ke, mi pou, mi la home, et à nyam yabama, pom yabama, mi kou a me a la home, allez, le ke a me a nene, a me a cha cafunami, nene, metan so, cafu, cafu, an son amia. Donc, c'est des questions de réflexion pour chacun de nous, pour nous dire, comme j'avais donné l'exemple l'autre fois en parlant d'un collègue de travail qui a fini par être renvoyé de son boulot après plus de 20 ans de service pour la simple raison qu'il est une star pour ceux qui nous visitent, mais un diable pour ceux avec qui il vit chaque jour. Que cette expérience-là ne soit pas la nôtre. Nous qui étions le gouvernement, il n'y avait ni Badjouba, ni aussi Amérique et Otokoupo, l'Amérique et Otol et Yébidom, et Amédjouva, et y a eu Kafouné, Messia Mekobo, et y a eu Otoaso, on a doit nuer de son roi, Messia, voilà. Il y a un menuet, le Amédjouba, voilà. La home est à Mekoko, le Otoku, et d'autres. Et je n'y a me foin le wabouabe, mbanine no. Que benine nenea. To wabé ni a me siam kafune kafune. Voa neneba mea, o vanye, jule toa. Voyez-vous, les gens peuvent nous tenir en très haute estime dehors. Mais est-ce que celle ou bien celui avec qui je vis, est-ce que c'est la même chose, je sais toujours les mêmes choses que je dis de plusieurs autres manières. Le bandit a mon latin, a son boubou, gande à son ami, a mon, a son si ho, gande nami. Voile, et n'y a bien bien la home aide, et sronye, à le sronye nsou, à le sronye nyonou, et mou le quare, de et j'en son ne nebe boubou. Son ama, ne ja le pondo nene, le pombe mouni nene ba mea. Alors, que pouvons-nous faire pour améliorer nos relations pour que au moins ceux avec qui nous vivons, qui nous connaissent mieux, que comme nous sommes respectés dehors, qu'à la maison aussi, que nous soyons même plus valoriser, que nous soyons encore plus estimés que nous ne le sommes dehors. En que belle de carré fichier de kemia odo aka batine batobe alsiare que amosona bubunami le bandia la home chan ameke nyonu alonso ke mikwimi la home e chan baso bubu won togbenami alo bubu ke bawune ne to baso nami de kemia odo. Un jour, il y a un couple qui était en flamme et ça, le torchon brûlait et la dame a pris son pagne et a couru vers la maison du chef du village pour rapporter la mauvaise conduite de son mari au chef. Et voilà que la dame arrive dans la cour du chef. Voilà la femme du chef qui était en train d'insulter copieusement son mari. Et la dame qui venait chez le chef s'est arrêtée à mi-chemin, a porté ses deux mains à la bouche et puis tranquillement a fait son chemin de retour. Bon, nyonu ya soeba vo ebi si duje moja be denyane edumewe ba megan dumewe fia ba kaka ba do funa ele se kebebe koro fia dia
C'est drôle, mais c'est pour dire que les gens peuvent, si elle allait vers le chef, c'est parce que elle avait une haute idée de sa personne, il respectait le chef, c'est pourquoi il allait vers le chef. Mais quand il s'est approché vraiment, il a vu la maison du chef dans tous ses états. Alors, ça a fait changer ses pensées et elle est retournée. Donc, c'est pour dire que chez nous, si nous ne savons pas bien nous tenir, l'estime que nous avons dehors peut être rapidement gâchée quand les gens vont se rapprocher plus de nous. Que yo na de fi agua edo asialo ko su sure le sicure fianti asi go hore le sicure fianti be to ba gbe a lo ko su ro gbe nonu a nyo yeso to wo yo ifma mi lo va kwa me de ji me de fi anjo yo be otro le mi agbo la premia si go ho ike le mi agbo e duwa me ale ya mo de na si go ho mi antia Atin si wo koma atin mo abu ngi be ni agbola pe memenyo. Merci que chacun de nous réfléchisse sur ces choses-là et le cas de quelqu'un ne ressemble pas au cas de l'autre. Chacun se connaît, chacun sait exactement là où le bât blesse chez lui. Et que le Saint-Esprit aide tout un chacun de nous à faire les corrections nécessaires pour que, même si dehors on ne nous respecte pas, au moins à la maison, que ça vaille, que ça aille. Monsieur, je vais vous dire que vous avez été payé que nous avons eu le trois silencieux. Mais nous avons eu le miagbon, le badi, on m'a dit à vous, bien sûr, le miagbon, le miagbon, vous pouvez en nommer un petit la paix. Alors que je vais m'arrêter ici en entendant, est-ce qu'il y a un verset que j'aimerais que nous lisons, mais comme je l'avais promis, Frère Sénat, je vous donne maintenant la parole, je vais t'interpréter pour que tu partages avec nous le verset que vous avez promis. Oh, j'ai promis un verset. Vous pouvez le lire ici. Ou bien tu as oublié. Non, ce n'est pas un verset, mais c'est... Ok, on va aller, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais qu'on a déjà parcouru ce passage, qu'on nous repose le passage de la femme tsunamite. Ok. Je pense que c'est dans 1 Roi, oui. Un Roi, chapitre 4, n'est-ce pas? Yeah. Oh non, ce n'est pas un roi, c'est le deuxième roi. Si OK. Et il faut continuer, ce n'est pas le même chapitre. Il faut aller jusqu'au verset 3, voir. Verset 5 dans le chapitre. Vers 17 voix. Ok, avant 17, 14, comme ça, 13. Ce serait bien. Verset 12, ou bien 11, juste. OK. Oui, à partir du verset 8, c'est bien.
OK, on va faire la lecture et nous allons commencer. OK, 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Continuez jusqu'à la fin. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons ici pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Gehazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Gehazi l'appela et elle se présenta devant lui. OK, ça va. OK. Mm-hmm, ça va. OK. Et ce passage que nous avons déjà étudié. Le chioma gwale velia tan netu pukwinyi enyi ide yu evelia mami ponutwenti chanye sunami nyon mamantinya. Dans le sous-terme où il faut honorer les hommes de Dieu. Et si mami le ponutwo ale si o lenami bena mia ade bubu maufwa amonti. À l'étudiant, à ce moment, j'ai remarqué que ça ne concerne pas seulement honorer les hommes de Dieu. Eye mildo apaya dia mba du jesibena bubutede amewa. Maya nye mauma maudede nti kuji usaru. Non, que le test aussi pas, c'est-à-dire on peut aussi l'utiliser pour parler de comment le foyer, on peut parler aussi du foyer dedans. Mba du jesibena mya gbaten a chon maunyaya a poncho srodepenti. Ici, on n'a pas mentionné le mari. Mais on a plus parlé de la femme. Au verset 8, déjà, on nous dit que c'est une femme de distinction. Et nous savons que les femmes de distinction, elles sont respectées partout. Mais ce qui me fait revenir sur ce passage, c'est que elle a fait quelque chose qui, à mon avis, est honorable. Elle avait une idée. Elle n'a pas dit, parce que c'est une femme de distinction, ça veut dire qu'elle a les moyens. Elle pouvait commencer par faire les choses parce que son mari n'est pas... quelqu'un qui prend les initiatives, c'est elle qui prend les initiatives, elle pouvait commencer par réaliser ces choses. Elle est partie demander l'autorisation à son mari. Et
que est-ce que on peut réaliser ce projet pour l'homme de Dieu? Ben manyobe nu aleke de yuma wena mauma meuma. C'est ce que la Bible appelle la soumission. Nu ke Bible yonabe doku bobo ye. Le respect. Boubou. Cette femme ici, à mon avis, je n'ai pas voulu poser des questions, j'ai voulu seulement expliquer la façon, comme je le comprends. Cette femme ici pouvait réaliser son rêve à l'homme de Dieu, pouvait dire c'est à Dieu hein, que je réalise, ça ne concerne pas mon mari, donc ce n'est pas lui qui a pris l'initiative vient de moi. Elle pouvait commencer par faire les choses comme nous le voyons dans nos jours aujourd'hui, surtout nous qui sommes aux États-Unis, parce que nous parlons, c'est entre nous. Eh bien, pour nous, ma chocoye l'aérocusi et galaxie point et autant quoi tout là, maouma même, maglone soin. Eye edu te pene suwa eye me wesi biale ke ye mi onto de delo mi pale ke mi va do america ye gbe wa be o suso anye enyole menye ye menye be america mo lone mau mo lone ta kwa eye ma ganya be america mo komo nu ye lewa ke nyonu ya mo weni no. Mon mari sort, il ramène l'argent, je sors aussi, je ramène l'argent, donc il n'y a pas. Fred lui donnait la souligné l'autre fois que dans son boulot, les femmes disent que le fait de dire que quelqu'un est le chef de la maison, ça les empêche de se marier. Et tiens le tout tour, le val le voit toi. Ah ouais, mille sorciers, bon miel au cou, bien nos vies, Dieu donne, un bon ami, tu vas bien aller me dormir. Cette femme nous a démontré, bien qu'elle est une femme de distinction, elle est soumise à son mari parce que un projet, elle est allée consulter son mari, demander l'avis de son mari, demander l'autorisation pour qu'on puisse construire, faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Nous remarquons dans le monde, c'est-à-dire quand nous observons les choses dans le monde, quand l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme qui donne à la manger, c'est-à-dire pour voir tout à la maison, les choses se passent normalement, il y a le respect. Mais quand le contraire se produit un peu, ça devient une catastrophe. Mi pobena aleke nuo ina ji ye tukarameno na nyiwa inyebe nebe nyonu la peme ye muchu ina kana ndugu bona bana peme no bele nene la peme ke nuola unona uina de dudunu bonu atobe nyonu a ehna gavana apeme chou. Le respect n'est plus là, on ne considère plus l'homme parce que dans notre tête, l'homme n'est plus homme, on ne doit plus le respecter. Et ça fait que nous, on le voit aussi parmi nous les chrétiens, c'est lamentable. J'ai voulu prendre cette portion de la Bible où cette femme de distinction à montrer le contraire. Elle est soumise à son mari, elle demande l'avis de son mari avant de réaliser un projet
ça montre clairement que nous devons copier. Je ne suis pas en train de prêcher contre les femmes, non. Je suis en train de souligner un fait. De même, les hommes, consultez vos femmes. Dites avant de réaliser, avant de prendre des décisions, consultez, demandez l'avis de vos femmes. Ce n'est pas parce que vous êtes homme à la maison qu'on ne doit pas respecter l'autre. L'autre aussi a son apport. Dieu vous a mis ensemble parce qu'il sait qu'ensemble, avec l'un et avec l'autre, quand vous vous mettez les idées ensemble, ça va porter de fruits. Ce n'est pas parce que c'est toi le chef de famille que tu prends des décisions que sans consulter ta femme. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, ce n'est pas respectable. Nous devons considérer l'un, nous devons nous considérer, quelle qu'en soit notre position, quel qu'en soit le rang social que nous occupons, quel qu'en soit comment nous amenons les vivres à la maison, les gens dépendent de nous. Mais celui avec qui nous nous sommes mariés, c'est quelqu'un qui est de notre rang et nous devons toujours considérer, consulter, demander son avis. C'est lamentable aujourd'hui de voir dans les chrétiens, dans l'Église, que les gens, l'homme fait quelque chose et que la femme ne sache pas. La femme aussi fait des projets à part sans consulter l'homme. C'est du désordre. Quand quelqu'un vient dans cette maison et voit ces choses-là, c'est comme il ne se respecte pas. Et Dieu n'approuve pas cela. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. J'avais déjà donné ce message. Il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas encore quitté pour nous attacher. Cherchons à quitter pour nous détacher de ce que nous étions avant pour nous attacher à ce que nous avec à notre partenaire, notre femme ou bien notre mari, dans tous les domaines. Ne soyez pas quelqu'un, ceux qui cherchent pour eux-mêmes. Ça veut dire que des fois, quand tu fouilles dedans, tout le monde cherche pour
pour lui-même. Mon intérêt. Mais pour que nous puissions réussir ensemble, il faut que l'un cherche l'intérêt de l'autre pour qu'il y ait de l'harmonie. Mais quand tu cherches trop ton intérêt, tu vas marcher sur les autres. Il n'y a pas de couple idéal, c'est-à-dire que à qui nous devons nous référer, mais nous devons former ce qui est idéal à nous. Nous devons nous attendre entre nous pour former ce qui est parfait à notre, pour nous. Parce que peut-être à la maison, moi, je ne prépare pas. C'est ma femme seule qui prépare. Quelqu'un va venir chez moi, Dieu donné va voir ça, il va dire, oh, Sénat ne prépare pas, pourquoi moi je vais préparer à la maison? Ce n'est pas, nous ne sommes pas les mêmes. Mm-hmm. Je peux apprendre de bonnes choses, mais pas de mauvaises choses chez quelqu'un pour imposer ça à la maison. Non, discutons et voyons avec notre partenaire, avec notre époux, notre épouse, et attendons-nous sur des principes de vie que nous allons vivre selon la Bible. Merci. Ok, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser les autres aussi parler. Merci. Sinon, ce que le frère Sénat a dit, moi, vous pouvez remarquer que j'aime donner mes exemples personnels. J'ai vu cela avec ma mère, se soumettre à son mari. Et deux femmes avaient déjà quitté mon mari, mon père, et ma mère était la troisième épouse. Mais quand bien même j'ai perdu ma maman, plutôt mon père, à l'âge de 6 ans, ma mère est restée chez nous au foyer jusqu'à ce que Dieu nous la rappelle en 2002. Ye fade ko ino isi ye toku gake ye no ega poto no chufuya kaka le yugbo kaka ovakule epakwe veple veliame. Ma mère a une caisse de deux témoignages. Qu'est-ce que je voudrais dire? Un jour, elle est allée voir mon père pour dire que voilà, les femmes du quartier ont formé une association
où elles font, il y a un folklore, elles chantent, elles dansent, et puis à la fin, elles cotisent 25 francs. Et c'est comme cela qu'elles aussi, elles aimeraient participer à cette activité communautaire. Que Gwereka, Yinoa, et Yvaipoye Tobé, Nyonuo, et toi, mais Nyonuo, Dovu, et Yéo, le Bobo, Ojonaga, et Yoadu, Wa Jogalen, ou Yé, Wa Doviviro, non, Kita, Yhan, et Dibé, non, et vous d'où mame. Et mon père a dit, pas question. Et toi, avec Pao, ma, me pomon, aide, Bobo, maman. Mais ce que mon père a fait, c'est que il s'est fait fabriquer une caisse banque vieux, comme nous avons l'appelé. Mais banque vieux là, c'est un peu plus géant que ce que nous avons l'habitude de voir. Et elle a dit à sa femme, le jour que ces femmes-là se réunissent pour déposer leurs 25 francs dans leur caisse, tu viens pour mettre tes 25 francs dans la caisse que j'ai fabriquée pour toi. Et qui se trouve dans ma chambre à coucher sous mon lit. Et mi toba wenyebe le yenyo nova kuna pu tonaga nenyebe ichaipa bank vi alo kes alo gajira rupe vire tare homene be negbe ju egbe igbe kenyo no yiboboa ha aba daga gayo jawa jole fuma ha dere agba gajira rupe amele ife abati gome. Elle n'a pas refusé la cotisation. Il n'a pas refusé la cotisation, mais il faut que ça soit fait chez lui à la maison, mais pas avec les autres femmes. Et il a expliqué pourquoi il a pris cette décision, parce que ces trucs se terminent souvent à queue de poisson et c'est des palabres interminables. Il ne veut pas gérer des palabres. C'est pourquoi il a refusé à notre maman d'intégrer ce groupe-là. Mais je me gâche encore. Voilà le poupou, mais le gâche de John, Donc, après la mort de mon père, la caisse était toujours restée avec ma mère et souvent elle nous fait des témoignages pour nous dire que c'est comme cela qu'elle a vécu avec notre père. Et quand notre papa avait dit cela, elle n'a pas rebiffé. Elle s'est soumise à ce que son mari a dit. Yo yo vachi ha ko fina yo kolina da sina yo be le ye no va ye a le yi bobo ro kina ison ye ye mo ire bobo mi ni ya. Donc c'est pour dire que si une femme qui n'allait pas à l'église a compris ce que son mari a dit et s'est soumise, comment ne pas trouver plus que cela aujourd'hui dans nos églises où on nous enseigne pratiquement chaque semaine sur le thème de la soumission. Que amna mare me inatocho me me ho bible ko tutu roreko ye o te bobo ro kina sono nya me yo vana ba uchu be le kosirame ina mi bona e yo fiona nu mi kule ale mi bobo mi ro kina ma wa bobo mi ro kina mi so wa nuka o be mi o mi mate wa bobo mi ro kio. J'ai perdu mon père en 1970. Ma mère est restée fidèle, je dis bien fidèle, à son mariage jusqu'en 2002. Un jour, une dame a essayé de la diffamer dans notre quartier. Il a eu un conseil de quartier. Et à la suite de ce conseil-là, l'homme a renvoyé immédiatement sa femme pour avoir diffamé notre maman. Et il y a un homme qui a été dit.
Donc, quand je me rappelle de ma mère, quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'église, alors je dis que quand on parle de fidélité, que nous les chrétiens, chrétiennes, nous n'avons pas de raison pour justifier que et ceci ou cela, que je ne pourrais pas être fidèle puisque j'ai vu ma mère qui n'a jamais mis pied à l'église, qui est restée fidèle même à son mari mort pendant des décennies. Que il est codé. Je ne peux aller yo au tenogbe ne le fait le recui la nuit pour homme mais kaka ide yeto ikuhan ni nuit pour la ne kaka va kwa et globe ce soir et allo mi matenga demian recun me recun de rekemeli bena mi manye a me uk me ting nuit pour la na mawo. Dieu nous a simplifié les choses pour nous à l'église en disant que jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Donc, si la mort nous sépare légalement et bibliquement, nous sommes libres de nous remarier. Donc, voyez-vous. Parce que Madame Wagbe avait levé la main, si vous avez terminé. Oui, Madame Wagbe. C'est bon. Alléluia. Amen. Oui. Non, en tout temps, monsieur, le frère Sénat était en train d'expliquer les choses. Donc, après, vous aussi, vous avez expliqué. Donc, j'ai compris. Mais à mon niveau, je vois que des fois, c'est l'abus de pouvoir au niveau des hommes qui amène le problème. Interprète. Ok. Il y a un homme qui est mieux de nous, comme il s'est beaucoup de temps, comme il est bien, 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 il est bien. Ok. Donc, c'est pourquoi les gouvernants même ont compris qu'ils doivent initier l'émancipation de la femme. Sinon, vraiment, ce serait pas facile pour la femme. Parce que Dieu nous a créés avec les mêmes sens ou bien la même intelligence. Maintenant, nous, disons que on s'est mariés au pays, on a vu nos grands-mères, on a vu nos mamans, comment elles se sont comportées. On essaie de suivre leur pas. Mais aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis avec nos enfants. Yo tengo de su la fue a yo po yo mamá o yo no ope su lo bueno no es yo le digo yo aso le digo porque yo vale América duple yo vio. Quand je vois ma fille Abigail, des fois je la regarde seulement, je me dis est-ce que elle pourrait supporter ça qu'on lui dise que c'est l'homme qui doit tout dire ou bien c'est l'homme qui a la parole, c'est l'homme qui porte le pantalon. C'est l'homme, c'est le chef, c'est dans la Bible. Pardon, aidez Jacques et l'homme et Wilfried à ce qu'ils comprennent. Le chef là, ce que ça veut dire. Et aidez aussi les filles pour que demain là, on ne pleure pas. Merci. Ok. Mais nous avons via Yehananureta, il finit via. Est-ce que merci, sœur, pour votre participation. Pourquoi nous étudions la Bible? Nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Il faut vivre. Et quand
avant de prendre la nationalité américaine, nous avons étudié les lois américaines dans leur version la plus simple, parce qu'on ne peut pas nous octroyer comme cela la citoyenneté si nous ne connaissons pas les B.A.B.A. De la vie du pays. Donc, de la même manière, quand nous venons à Dieu, nous devenons citoyens du royaume de Dieu, citoyens du royaume des cieux, il faut savoir que nous venons de différents backgrounds pour former une seule communauté. Donc, maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, il nous faut apprendre les nouvelles règles, apprendre les règles qui régentent la vie de citoyens dans le royaume de Dieu. Nous avions, avant notre conversion, reçu des éducations. Nous avons été exposés à des habitudes, à des comportements auprès de nos parents, de nos grands frères, de nos grands sœurs, oncles, cousins et autres. Donc, pour avoir été exposé pendant longtemps à ces choses-là, elles nous ont modelés à ces comportements-là. Nous avons été modelés et nous avons adopté ces styles de vie comme ce qui est normal. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, il faudra nous formater. Nous avons vu notre, par exemple chez moi, les femmes, une femme qui se respecte ne boit pas en présence d'un homme. Et si les hommes se mettent autour d'un pot de vin de palme, ils appellent les femmes, elles viennent, on les serre, elles se retirent dans leur chambre pour boire. Donc c'est avec ça que moi j'ai grandi. Maintenant que je suis devenu citoyen du royaume, est-ce que je dois colporter avec moi cette habitude héritée de mes parents? Là où le bas blesse, c'est que beaucoup d'entre nous, nous nous disons citoyens du royaume de Dieu, mais nous accrochons toujours aux vieilles habitudes héritées de nos coutumes qui ne riment pas toujours avec les exigences du royaume. Le monde séculaire, la culture occidentale, l'école nous enseigne que l'homme et la femme sont égaux. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Nous sommes équivalents, mais nous ne sommes pas égaux.
que le hihiame ni sukui plein towa o fiomi bena mucho plein yonu o son wa le bible a fait nyamere do nu a o mo son français gbe coupe gbe a me de le fiya de fuvire équivalent ku egoa go vous tout tout vide le mais asi kokoreka ele aussi voilà Donc, vous qui suivez cet enseignement, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout un chacun de nous que ce que l'Amérique nous enseigne, ce n'est pas le modèle biblique. Nous sommes ici pour nous conformer aux exigences du royaume. Et si nous allons bien dans les Écritures, l'homme et la femme ne sont pas égaux, ils sont équivalents, ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Et nuit à bien America, mais nous fait fier, mais n'y est et que n'y biblato, à l'oigne n'y est au biblato, biblato et miato, mia soque la ve, le nuo katamea, j'y faut vieux émienne et j'y faut pe à bonono et mia pla. N'yon nous plein choua, omisson, le bibla pour nous faire non, ou loua si vous avez le calme ou comme, à que m'y nous le camp ou comme ou n'yon. Pourquoi je vais lire un verset biblique maintenant? Je crois que c'est le temps est parti, mais permettez-moi de lire. Quelle heure est-il maintenant? C'est 16. Ah, ok. Nous allons lire rapidement 1 Pierre chapitre 3. Lisons ça à partir du. Pour gagner le temps, lisons le verset 1 à 7 rapidement. Il y a un verset dans cette portion-là qui nous intéresse. Pierre, prenez le petit pas de balabanto, tâton, puis adrien. 1 à 7. Puis banvalo adrelia. Ok. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les sept femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bon, ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous et la grâce de la vie Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ok, nous avons mis le propos à la Bible, le TP, à Petro, à Galepanto, à Adrien, et à ton coup, à Adrelia, le Glona, Bimbe, et Banclon, non, Globeignon, nous ne pouvons pas le faire, Aye o gayeji gahlonu le pe awudodo me pe le dowo aye pe jeje le hihime a ehihe nu na nye jeje nyeto aye me gacho eda popo ple sikaklo to pe dodo e akowo e akofioko wa pe agbenono meme to a lenyo aye oyeji tukhlonu chu ha be nchu ha ne debobo strong ti aye wa alere strong ti ale benaswa Awe be nyonu nye gbojogbojo meta nchu ne dongse aye wa nyabena okata opo manuvereka le gominyila onye la manuvere mele mauko nkume benana neke megavanye mokhenu na opo gbedodurao Nous voyons là où
pour aller rapidement, là où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, a dit que la femme est d'un sexe faible. Dans la Bible du semeur, c'est rendu autrement. On nous dit là-bas qu'elle est d'une nature délicate, que la femme est d'une nature délicate. Et là, il y a un le français Louis c'est délicat. Mm-hmm. Ouais, je crois que les sœurs en France qui nous suivent comprennent mieux parce que la traduction ne rend pas tellement bien la chose. Quand on dit que quand on parle d'une nature délicate, j'aimerais poser cette question-là. Quand on dit que la femme est d'une nature délicate, est-ce que nous les hommes nous comprenons vraiment ce que l'apôtre Pierre est en train de dire au sujet des femmes, qu'elles sont d'une nature délicate? Est-ce que nous, les hommes, nous comprenons cette portion de la Bible que nous femmes? Quel est l'intérêt de bien comprendre ce que l'apôtre est en train de dire ici? Est-ce comprendre ce que l'apôtre dit ici, est-ce que ça peut impacter notre mariage, que ma femme est d'une nature délicate? Bon, par exemple, nous les hommes, est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle la menstruation? Et comment la menstruation affecte la vie de la femme? Est-ce que nous pourrons comprendre ça un jour? Même la physiologie de la femme, comment et c'est la femme qui porte la grossesse et tout ce que Dieu a dans son ingéniosité. Comment Dieu a formé la femme pour qu'elle puisse porter les enfants et pas les hommes. Est-ce que vous ne voyez pas que le design de Dieu fait de la femme un être spécial? Et même quand nous parlons de la sexualité, l'homme, la sexualité chez l'homme est différente de la sexualité chez la femme. Est-ce que vous avez une fois vu une chèvre courir après un bouc? Jamais. Ou bien une poule courir après un coq?
C'est comme cela que Dieu nous a fait. Que l'homme, le sexe masculin, ait une sexualité agressive. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais généralement c'est comme ça. Nous avons vu chez la Tsunamite que son mari, c'est un laid-back guy. Il est dans son coin et les initiatives viennent de madame. Vous avez vu que même quand l'enfant miracle est né et que quand l'enfant est tombé malade, papa a renvoyé l'enfant vers sa maman. Et quand l'enfant est mort, maman n'a pas trouvé que c'est important d'en parler à son papa que leur enfant est mort. Elle s'est dirigée directement vers le prophète pour la situation. Donc, il y a des exceptions. Tsunamite nyonu ya pe nyame glome ya mi ape be yenyame ike ntua ya le na rokwire megbe yina megbe alors que voix nyonu toa nyonu ya boye yina yele ngole fia ye chona de na susuo ya wonu ya ya wonu ya enu amedu owonu owo unene nyonu a e bina ntua wona nu yo ntua wo a nyonu woni la padu. Voilà, nous avons vu que malgré cela, ce couple-là fonctionnait très bien, comme l'avions dit précédemment. Donc, juste pour dire que les femmes, nos femmes, ont une nature délicate dont nous devons tenir compte dans nos vies quotidiennes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici que il nous faut les respecter parce qu'elles ont nous avons la même valeur. Que nous allons, qu'elles aussi vont au ciel, elles ne vont pas aller aux ongles du ciel, elles vont au ciel à 100% comme nous, parce que Dieu les valorise. Si Dieu les valorise, pour qu'elles aillent au ciel, nous, elles aussi, sur cette terre, nous devons les valoriser autant. Pierre, S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Est-ce que vous avez vraiment répondu à la question de la préoccupation de notre sœur Madame Wagbe? Pensez-vous que vous avez vraiment élaborer sur sa question? Moi, je trouve que pour demander lui elle-même si elle est satisfaite. Bon, Florence est dans le Dieu, Dieu donné. Bon, c'est ça, moi, ma préoccupation. Assurer bon. Si elle est satisfaite. Bon, ok. En fait, je n'ai pas fini. C'est pour dire tout simplement que si nous savons que dans le royaume, que nos femmes sont délicates, nous devons maintenant adopter une attitude nouvelle et ne pas colporter avec nous
ceux avec lesquels nos parents nous ont habitués à l'égard de nos femmes, mais qui n'est pas conforme à ce que la Bible attend de l'homme chrétien. J'ai été témoin d'une scène où un homme a ramassé proprement sa femme parce qu'elle a osé placer un mot dans une conversation qu'il avait avec quelqu'un. Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. De quel droit elle peut se mêler à leur conversation? Que c'est de l'impolitesse caractérisée. Oui, c'est ce que nous avons appris de nos parents. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Si tu causes et ta femme, un adulte, ton partenaire, ta femme place un mot dans la conversation, est-ce que c'est un crime jusqu'à ce que tu ne la ramasses en présence d'autres personnes de cette façon sans ménagement? Je ne crois pas qu'il y ait d'hommes au sein de notre communauté de la chapelle internationale qui piétine sa femme de la sorte. Si quelqu'un piétine sa femme, que cet enseignement aide la personne à revoir sa copie, à s'humilier, à chercher dans la prière que Dieu l'aide à tourner le dos aux vilaines habitudes héritées des grands frères, de nos papas avant notre conversion. Que je me crois sévère, amener le mien fait mien domaine que via boss ma libre bon ni belle ni ni ma nous ça sera pas la mienne pas mienne trop voilà si et nous yo mi plan bleu yo mi plan le mien fait kota obo mien fait jila obo yo que me so pas bible à toi mais ni veut pas bon si en lui que mi plan mien fait jila obo ni bible va et yo me so pas bible à toi ben ami manga a wo bon mien sera yo que le bible ame et que après mien ti bena ni atin wa jama wu. Frère Dieudonné. Oh oui, je pense que ce que je voudrais dire, maman a touché ça, concernant la question de la sœur, mais si vous le permettez à cause du temps, je peux revenir sur ce que je vais dire mercredi prochain, si vous le permettez, à cause du temps. Bien bon, mais si ça ne gêne pas aux gens, moi, c'est le temps que je vois, si vous le permettez. Je peux parler, mais sinon... Bon, on vous donne 2 minutes. Oh, 2 minutes, je n'ai pas fini. Mais je peux dire un peu. Il y a pour nous, mais tu veux m'en souvenir. Il faut parler en condensé. Ok. Bon.
Ok, je vais vraiment profiter. Ok, quand maman dit, Madame Wagner, dit que Jean et nos enfants, oui, ça va dépendre de la manière dont toi et moi, nous qui vivons, ce que j'ai, la vie que tu mènes dans la maison, ça va agir, ça va influencer beaucoup la vie de nos enfants. Pourquoi je le dis? Je donne cet exemple. Nous avions hérité des choses 2005 et 2017. J'ai été au pays. Et je savais dans quelle famille je suis né et comment nous vivons. Quand j'ai été au moment où ma femme prépare, ma femme fait des choses, je reste à côté de ma femme. Quand elle prépare, des fois, j'amène dans le outil. Je sais que mon grand frère est là. Les gens sont là. Je ne le fais pas bon, pour me distinguer, mais je sais que la manière dont je l'aide ici, arrivé là-bas, je ne veux pas faire la différence. Jusqu'à un jour, mon grand frère m'a appelé. Il m'a dit, mon frère, comment? Tu as changé? Il y a quoi? Je dis oui. En Dieu, c'est comme ça nous sommes. C'est ce qui est normal à faire. Il n'a rien dit. Grâce à Dieu, cette année, on a été encore au pays. Quand on a été, maintenant, ma femme a organisé une fête pour moi. Moi, je ne le savais pas. Il a invité mon frère, toutes les gens sont venus. Ma femme m'a fait une surprise. Ce que j'avais fait avec ce que ma femme m'a fait, moi, je n'ai jamais organisé une fête à ma femme. Mais quand mon grand frère a vu ça, il est venu dire, ah, maintenant, je comprends. Ça lui a touché beaucoup. Donc, je viens pour dire que la manière dont toi-même tu vis, je vis, c'est vrai, nous enseignons la Bible à nos enfants, mais la manière dont tu fais des choses. Et moi, par exemple, je dis déjà à Divine, à la maison, que aux États-Unis, on dit qu'il n'y a pas chef de maison. Non, la Bible ne le dit pas ça. Elle sait. Je l'ai inculqué cela. Et je l'ai dit, si un jour elle se marie, et que si elle vient et elle dit à son mari que bon, que nous tous sommes chefs dans cette maison, elle déshonore à Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je dis aussi à mon fils Love qu'on a dit que l'homme doit aimer sa femme. Il y a des choses que nous devons les expliquer. Nous devons aussi les dire. Et de surcroît, la manière dont moi-même je vis. Je suis content des fois quand Divine me dit, elle est là, elle écoute, que Daddy, je voudrais un jour, si je veux me marier, je vais trouver un homme comme toi. Ça, je suis content. Des fois, quand elle dit ça, je suis content. Mais je pense que, je ne dis pas que je suis bon, mais c'est que je mène ma vie n'importe comment, ma fille ne peut pas dire ça. Ça va l'impacter négativement. Donc, il faudrait que ce que nous connaissons, que le Seigneur nous aide, que le peu que nous arrivons à mettre, ce peu-là en pratique, pour que ça affecte réellement la vie de nos enfants. Sinon, nous allons bien connaître. Nous allons rester les choses, mais si nous ne mettons pas, si nous ne vivons pas cela, et que les enfants voient, ça va beaucoup gêner. Donc, le reste que je vais dire, je vais m'arrêter comme ça et je vais continuer prochainement. Merci. Ok. Il y a fois, un blog, un bout de temps, il y a un peu 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 de temps. Le mien chou, le nyon ou pas benono, sur le temps pas benono. Bon, dans les yogi, a y a des vieux plans, mais toi le mien bon. Bah les mien le globe, le mien plage ou mien plage. Le mien toi, y'a moi de si ma ou bon. Ou que comme nyon, ta mien racine, bébé toi, ne n'aimai, mien me yop, nyan ma oua, y'a toi et mi plage ma ou ma miroula, non, berinti, ben la mien du wak le mien bon gaomea, et chomea, ou nyon ou. Madame Wagbe, si mercredi Dieu nous prête vie, nous allons revenir
vers toi encore pour être certain que tout ce que nous avons dit a pu répondre à votre préoccupation. Alors, est-ce que le pasteur est en ligne? Le pasteur est là. Ah bon, oh. Osofo. Mon micro n'ouvrait pas. Merci beaucoup. Je pense que nous avons tous suivi l'enseignement. Je voudrais seulement ajouter que pour honorer Dieu, il y a un élément fondamental. C'est l'idée que nous avons du mariage. La première tour, avant tout, tout ce que les gens ont dit, avant tout ça, là, il faut que dans chaque couple, chaque personne puisse prendre le mariage comme Dieu. Parce que Dieu est le divorce. Ça, c'est fondamental. Vous avez dit comme Dieu. Je dois haïr le divorce parce que Dieu lui-même est le divorce. Ok, j'ai compris maintenant. Il faut que quand je suis au foyer, que je puisse comprendre qu'il pleuve, qu'il neige. Ce que Dieu est, je dois le haïr, homme comme femme. C'est la première étape. Maintenant, si on fait... Voici la chose. C'est vrai, je sais qu'on va avoir encore d'autres éléments par la grâce de Dieu mercredi et les jours qui viennent. Merci à notre frère qui nous enseigne. Merci au frère Gomassi qui avait commencé par interpréter. Le frère Céline est venu. Et merci à tous les intervenants. Que Dieu nous bénisse. Je vous rappelle que si Dieu le permet, que chacun le prépare. Parce que si Dieu le permet, dimanche, nous allons voir la Sainte Cène. Que Mia a fait un peu plus long la Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Nous voulons te dire, ô grand Dieu, merci pour ce thème que tu nous donnes encore d'incuber, tu nous donnes de réfléchir. Merci pour tous les éléments que tu nous as déjà donnés et merci pour les éléments qui restent que tu nous donneras. Nous prions afin qu'à travers cet enseignement que tu nous donnes, Seigneur, que nos foyers deviennent des foyers qui t'honorent. Que le mari puisse honorer toi, Dieu. Que la femme puisse honorer toi, Dieu. Que les enfants dans la maison puissent honorer toi, Dieu. Afin que toute notre maison, Seigneur, quand tu regardes, tu prends plaisir. Seigneur, je prie que tout ce que l'ennemi utilise, ou que tout ce que l'ennemi utilisera pour déstabiliser, Seigneur, nos maisons, que tu détruises le plan de l'adversaire et que tu solidifies chaque foyer. Papa, merci de nous donner une nuit paisible. Merci également parce que, Seigneur,
tu permettras que nous puissions nous réveiller demain. Et je crois, Jésus, que le mercredi prochain, tu vas encore nous bénir. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Merci. Merci. Frère Sina, frère Martin, tu viens doucement. Jusqu'à la fin de l'enseignement, tu vas maîtriser ta traduction en français, en hébreu. Je suis en fier à Romain. Au frère, t'as le couvier, voilà. Mais le dit. Bon. Frère, le couvier. Ache, il y a un drang, il m'a volé, il m'a volé. Ah, ouais, bref. Oh, non, 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 non,